Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo mindset d'entrepreneur. Je vais te parler un petit peu de mon actualité et pourquoi finalement j'ai cette actualité, pourquoi j'ai ces résultats. On va parler de ça dans cette vidéo, mais comme tu le sais, juste avant, générique. Alors dans cette vidéo, effectivement, on va parler d'entrepreneuriat. Tu le sais, si tu suis cette chaîne YouTube. Moi, je suis entrepreneur depuis maintenant pratiquement 25 ans dans différents domaines. Donc des domaines où j'ai réussi, d'autres que j'ai réussi également, mais que finalement, c'est avéré d'un échec par la suite. La vie d'entrepreneur, c'est ça. C'est vraiment eh bien, avoir son lot de réussite, son lot d'échecs. Il y en aura, forcément. Mais moi, je préfère effectivement avoir des échecs et tout simplement les accepter et remonter de plus belle que plutôt de vivre dans le regret, hein, dans le regret de finalement n'avoir rien fait. Comme beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées, mais qui finalement ne font rien. Et puis, il y a aussi ceux qui se sont lancés depuis quelques années et qui, sous prétexte que ça fonctionne bien, ça y est, ils se revendiquent les meilleurs entrepreneurs du monde. Mais un entrepreneuriat, c'est aussi dans la longueur qu'on le voit. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui se définissent entrepreneurs, très bien, et qui ont du succès, très bien aussi. Mais on verra dans le temps, on verra sur la longueur s'ils seront toujours là et quels seront finalement leurs résultats. Là en ce moment, et j'ai signé samedi dernier, 23 appartements en sous-location. D'accord, 23 appartements en sous-location dans un immeuble. Donc, j'ai pris beaucoup de risques puisque tu te doutes bien que 23 appartements en sous-location, ça fait un petit peu d'argent. Mais encore une fois, son risque est toujours lié eh bien, à sa capacité financière. Tu n'es pas obligé de démarrer avec 23 appartements, tu peux très bien te lancer avec 1, 2, 3, comme moi j'ai pu faire. Ce que je veux dire par là, c'est que la réussite, on se la crée. D'accord, la réussite, c'est pas un coup de chance. Non, c'est pas un coup de chance, c'est juste qu'on a mis tellement de choses en place que oui, la chance, si on peut parler de chance, on l'a provoqué la chance, on l'a amené cette chance effectivement à venir sur nous. Mais c'est le fruit du travail. Moi, je suis quelqu'un qui est entrepreneur depuis tout jeune, je n'ai rien obtenu sans rien foutre, hein. Enfin, qu'on soit très clair. C'est en vous bougeant le derrière, c'est en croyant à vos projets que vous allez avoir vos résultats. C'est bien beau d'avoir des belles idées, mais si derrière tu fais rien et t'attends que ça se passe, ou tu regardes quelques vidéos YouTube sur internet et que tu te dis c'est bien mais c'est pas assez, oui, mais c'est aussi pour ça qu'il existe des vidéos, c'est aussi, enfin des formations. C'est pour ça que je dispense ces formations, c'est pour expliquer tout ça, pour expliquer justement comment faire, étape par étape. Mettre aussi à disposition des personnes qui vont être capables de te tout simplement de t'aider à mettre ça en place. C'est tout ça derrière que tu vas retrouver. Et oui, forcément, ça a un prix, forcément. Et tout ça, c'est du travail, c'est des personnes qui t'accompagnent, c'est des formations complètes professionnelles. Bref, c'est un sujet parmi tant d'autres. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes pensent que, on regarde quelques vidéos sur YouTube et ça y est. Et ça y est, c'est parti, demain, je fais la même chose. Non. Parce que faire bosser. Va falloir bosser, on n'obtient rien sans rien. Mais combien de personnes, j'entends, m'appellent en me disant « j'ai vu que c'était possible, etc. Combien je peux faire, combien je peux gagner ?» Mais c'est de l'entrepreneuriat, vous entreprenez. Donc, arrêtez de croire qu'on va tout vous donner, arrêtez de croire que on va tout… Comment je pourrais vous dire ça? Quand vous prenez ou quand vous rejoignez un programme de formation d'un formateur qui a des résultats, il va vous partager son expérience, il va vous partager ses résultats, c'est ce que je fais. Mais arrêtez de croire qu'on va tout le temps tout vous donner. Et le problème en France, c'est qu'on vous a éduqué comme ça, on m'a éduqué aussi comme ça, c'est qu'on nous fait croire qu'on nous donne tout. En fait, tout le temps, c'est cadeau. T'es au chômage, tu vas être payé pendant X années, t'inquiète pas, t'as un souci, on va te prendre en charge. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est vous bosser pour vous.
arrêtez de croire qu'on va vous aider, que non, vous entreprenez, vous êtes tout seul à la barque, c'est à vous de vous bouger le derrière pour faire en sorte qu'il y ait des résultats. C'est pas, on demande à quelqu'un, ouais, tu peux avoir les résultats pour moi. Non, ça n'existe pas, ça. Ou alors, c'est des formules qui coûtent des dizaines et dizaines de milliers d'euros. Comme là, on le fait pour un client, on l'accompagne, c'est-à-dire qu'on met tout en place, mais on est sur des tickets qui sont, qu'ont rien à voir. On est sur des tickets à pratiquement 100 000 euros. Parce qu'effectivement, on met tout en place pour lui. Mais ça, ça se paye, c'est évident. C'est du temps, c'est de l'expérience, c'est tout ça que vous payez derrière. Mais si à un moment donné, vous voulez vous entreprendre et faire tout par vous-même, prenez une formation, formez-vous, suivez un coach, quelqu'un qui va vous expliquer comment faire, et après, par contre, il faut bosser. On peut aussi apprendre énormément avec YouTube, bien évidemment, mais par contre, après, il ne faut pas râler ou il ne faut pas se plaindre parce que les résultats ne sont peut-être pas ceux escomptés, parce que vous ferez des erreurs. Mais encore une fois, il faut accepter de faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie du cursus d'un entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est du boulot mental, c'est de la préparation psychologique. C'est un peu comme si vous étiez un athlète de haut niveau. C'est exactement la même chose. Et il faut être sur le haut taquet tous les jours. Mais ça marche. C'est possible, je vous le dis, parce que je pense que j'ai suffisamment d'années d'entrepreneuriat pour vous expliquer tout ça. Mais le truc, c'est que personne vous dira ça en vidéo, personne vous parlera sur ce ton-là. Je suis navré, je suis un petit peu choquant, etc. Mais... Enfin, à un moment donné, je vois trop de gens qui sont en mode attente. Enfin, oui, faites-vous aider, effectivement. Je suis là aussi, moi, pour vous aider. C'est pour ça que je suis sur cette chaîne YouTube. Je vous apprends beaucoup de choses. Mais à un moment donné, c'est à vous de faire de... J'en discutais encore avec quelqu'un aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai regardé les vidéos, c'est très bien, tout ça. Ça donne du... Moi aussi, je le fais. Ça donne de la motivation. Ça donne des idées. OK. Mais après... Les amis, bah après, c'est zapper tout ça, couper tout et feu, on y va. Et s'il vous manque des informations, ouais, vous prenez l'information, vous la payez l'information. Ouais, vous la payez. Mais à un moment donné, qu'est-ce que ça, franchement, de vous à moi, moi, je serais payé quelques milliers d'euros pour me former correctement et avoir des informations qui me sont cruciales, qui vont faire gagner un temps de malade et derrière, partir sur un business qui va durer 5 ans et qui va me rapporter, je sais pas, peut-être 5000 euros par mois. Enfin, à un moment donné, on parle de ça, quoi. Donc, c'est le mindset, c'est ce mindset d'entrepreneur que vous devez avoir. Et je me rends compte qu'au-delà des formations que je dispense sur la technique, je me rends compte que le mindset, c'est la barrière numéro 1. Parce que pour la plupart, vous venez du monde du salariat comme moi, mais moi, depuis le départ, j'ai jamais été vraiment dans le... J'ai très vite quitté le salariat parce que ça ne me convenait pas. Je n'avais pas du tout ce mindset-là depuis le départ. Moi, j'étais vraiment entrepreneur depuis le départ, mais après... On peut l'avoir, ça, ça peut se travailler. Mais il va falloir vous remettre en question, les amis. Il va falloir arrêter de croire qu'on va tout vous donner, que tout va être cadeau, que tout va être facile, qu'il n'y aura pas de problème, qu'il suffira juste de compter ses sous à la fin du mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je vois bien, j'ai même des copains salariés, etc. Et on voit bien, ils sont bercés dans ce monde de salariat où... Bah, si à un moment donné, il y a des risques à prendre, bah, c'est pas eux qui vont les prendre, c'est la boîte qui va les prendre. C'est son patron qui va les prendre. Ouais, d'accord. Mais alors, dans ces cas-là, faut pas s'attendre non plus à... Parce qu'à un moment donné, les résultats que vous allez obtenir, c'est lié aussi aux risques que vous allez faire. Quand là, j'investis sur 23 sous-locations, je prends un énorme risque. Un risque contrôlé, certes, mais j'ai pris un risque. Et je prends des risques tous les jours. Quand j'investis sur plein de choses, sur plein de domaines, je prends un risque à chaque fois parce que peut-être que je vais perdre tout mon argent et que je ne le retrouverai pas derrière. Mais ça, c'est normal. L'entrepreneuriat, c'est ça. Donc, je suis navré, je vous ai fait une petite vidéo un peu, mais arrêtez de croire qu'il faut rester chez vous derrière l'ordinateur et ou alors faut aller chez un patron et puis ouais, il y en a marre du patron. Bah non, dans ces cas-là, si vous voulez cette petite vie pépère, restez effectivement chez votre patron, bossez pour lui. Effectivement, le soir, 17-18 heures, c'est plié, c'est terminé. On est en week-end, samedi, dimanche, il n'y a pas de problème. Il en faut pour tout le monde et il n'y a pas de souci avec ça. Mais si à un moment donné, ça vous saoule et que vous avez marre de votre patron et de votre boulot, bah soit vous changez de boulot, hein. Soit dans ces cas-là, bah, vous le mettez à votre compte, mais vous en acceptez aussi qu'il y a des conséquences et que derrière, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est pas un long fleuve tranquille, je vous le dis.
Par contre, si effectivement vous êtes, faites partie d'un réseau, vous êtes avec d'autres personnes qui font la même chose que vous, ça va surtout vous aider au niveau du mindset, ça va vous développer votre esprit. Et il y a des erreurs que vous ne ferez pas. Voilà. Pour faire simple, c'est en gros, c'est ça. Mais moi, je me suis construit tout seul. J'ai entrepris tout seul. J'ai fait des erreurs. Je me suis vautré. J'ai mis des genoux à terre. Je me suis relevé. J'ai pris des coups. Hein, c'est comme un match de boxe. Hein, on se prend des coups. Bah, je m'en suis pris. Très clairement, je m'en suis pris. Je les ai acceptés. Mais par contre, je suis remonté beaucoup plus fort. Ça ne m'empêche pas pour autant de savoir qu'il y a des domaines que je ne maîtrise pas. Et donc, je me forme pour ça. Parce que je sais que je suis pas bon. Je pourrais très certainement apprendre tout seul, mais ça va me prendre des années. Et moi, j'ai pas envie, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre, je veux avancer. Moi, je vais être prêt dans 1, 2, 3 mois, je vais être formé. Et boum, j'y vais. Voilà les amis, ce que je vais vous dire cette vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, bah, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans un business rentable autour de l'immobilier, je vous ai préparé une petite formation gratuite. Et puis, je vous ai préparé aussi une série de 4 vidéos totalement gratuites que vous allez pouvoir récupérer dans la partie description de cette vidéo. Sur ce, bonne journée et moi, je continue mon chemin. Ciao !